toutes et tous. On se retrouve pour le message de ce mercredi 31 mai 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste. Lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Aujourd'hui, j'ai pigé enfant. Ton âme te dit aujourd'hui, toi. Toi, tu ne le vois pas forcément, mais je suis très souvent en contact avec ton enfant intérieur. Tu sais, il a besoin d'être rassuré et il a besoin d'être aimé. Tu peux le sentir par moments, mais tu le fuis. Tu peux alors créer des schémas relationnels négatifs et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec tes besoins et tes attentes. Souvent, quand la nuit tombe, tu sais, ton enfant intérieur arrive à rentrer en contact avec toi. Mais une partie de toi l'évite toujours. Tout comme moi, il fait partie de toi, tu sais. Et surtout, il n'est pas ton ennemi, bien au contraire. Il est ta joie. Il est ton rire. Il est ton brin de folie, ta spontanéité. Il est ton optimisme et ta capacité à aimer. Même s'il est triste aujourd'hui, eh bien il n'y a que toi qui peux le rassurer. Il n'y a que toi qui peux faire un pas vers lui. Alors, fais-le. Fais-le ce pas. Avec la méthode de ton choix, retrouve-le. Il t'attend et ne t'en veut pas. Il sait que tu fais le maximum pour garder un certain équilibre émotionnel. Mais il est ton meilleur ami, alors rassure-le. Il en a besoin pour créer un nouveau duo positif. Et ensemble, eh bien, vous allez vivre de très très belles surprises et de très belles synchronicités. Tes guides, tu as toujours eu une très grande sensibilité spirituelle. Depuis ta plus tendre enfance, tu avais une très grande connexion avec tes capacités et avec tes ressentis. Quand tu as grandi, elles se sont fermées. Et maintenant, tu peux avoir l'impression de ne rien ressentir ou que cela est un parcours du combattant. Mais tu sais, il n'en est rien. Ta grandeur spirituelle est présente en toi depuis toujours. Prends le temps de te reconnecter avec tes souvenirs d'enfance. Ce que tu as vécu n'était pas en lien avec la pensée magique. C'était vraiment des expériences réelles. En te reconnectant à ton enfance, eh bien tu te reconnectes à ton chakra du troisième œil et coronal. Tu te reconnectes à ta force intérieure et spirituelle et tu es alors dans une nouvelle harmonie énergétique. Tu vas te rendre compte que tout a un sens et tu vas comprendre eh bien, le sens des événements passés.
Tu es une âme ancienne et tu es une âme d'une très très grande spiritualité et avec une grande sensibilité. L'entité te dit, toi et moi, nous avons un lien avec l'enfance. Toi seul sais ce que cela veut dire. Je n'ai pas forcément été un enfant heureux ou une enfant heureuse, mais je sais que mon âme n'a pas choisi cette expérience par hasard. Ça, je le sais. Mon but était d'être dans une énergie de résilience. Je sais que ton enfance a pu aussi être compliquée et je sais que j'ai des excuses à te présenter. Tu sais, quand je repense à l'enfance, eh bien ma gorge se noue, comme s'il y avait des choses que je ne pouvais pas encore dire, et je sais que tu as le même ressenti. Alors, peut-être pouvons-nous travailler ensemble en te connectant à ton enfance, en comprenant le sens des événements, en étant dans le pardon. Tu me libères aussi. Tu m'aides à m'éveiller, tu m'aides à me libérer, tu m'aides à m'élever. Nous sommes le miroir de certains souvenirs, mais nous avons aussi la même force intérieure. Rappelle-toi que tu as ton libre arbitre et que tu peux être la personne que tu as décidé d'être et personne d'autre ne peut te l'infliger. Et j'ai confiance en toi pour l'être, car tu en es capable. Personne ne peut te dicter d'être comme ci ou comme ça. Waouh, très très beau message, n'est-ce pas? Ouïouïouï, ça parle. Alors, la guérison des 5 blessures, aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé abandon. Je décide de vérifier comment je me sens à l'idée d'être seule durant les dernières années de ma vie. Si je vis de l'angoisse, je réalise que c'est mon ego qui croit qu'être seule signifie être non aimée et malheureuse. Je donne le droit à mon ego de croire encore à cela et je sens que je peux arriver un jour à savoir que même si je suis seule, je peux être heureux, heureuse et serein, sereine. Si j'en suis incapable, eh bien, j'accepte mes peurs du moment en sachant que tout est temporaire. Je vous souhaite une excellente journée dans l'amour inconditionnel. Et puis, on se retrouve demain. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.